rentrer chez vous, tous les deux. Les bananes mûrissent depuis la nuit des temps, Balou. Quelques minutes de plus, ça ne changera rien. Ah oui, mais ce ne sont pas des bananes ordinaires. Le seul endroit où elles poussent, c'est dans cette partie de la jungle. Ah bah oui, évidemment. Balou, tu aimes vraiment beaucoup les bananes, hein? Oh, c'est rien de le dire. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait quelque chose que t'aimes encore plus? Encore plus que les bananes? Oui, c'est une bonne question. Je me souviens d'un poisson d'une espèce extrêmement rare. Oh, 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 il était vraiment délicieux. Le plus gros, le plus savoureux de tout ce que j'ai mangé. Enfin bref, concentrons-nous sur l'essentiel, les bananes. Mais en fait, ce poisson... Oublie ça, Mowgli. On ne trouve ces poissons que dans une seule rivière. Et pour couronner le tout, cette rivière est au milieu du territoire de Shere Khan. Oh, oh, oh là là, les voilà. Oh, c'est l'heure des bananes. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson? Il ne veut pas trop que ça se sache, mais aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est pour ça que je lui pose toutes ces questions. Mais maintenant, je sais ce que je vais lui offrir comme cadeau. Faut qu'on parte, Balou. À tout à l'heure. C'est vraiment très dangereux, Mowgli. Je le sais, j'étais avec Balou quand il a pêché ce poisson. Et Shere Khan a bien failli nous attraper. Du moment que tu es avec moi, tout se passera bien. Tu verras, Bagheera. Ou pas, si Shere Khan venait à entendre parler de votre plan. Oh, incroyable! Regardez-moi ça! Elles sont absolument parfaites! Ben, c'est étrange! Où ont-ils bien pu aller? Heureusement que tu connais le chemin, Bagheera! Je peux retrouver le chemin, c'est vrai, mais Shere Khan peut aussi nous trouver, nous. Soyons prudents. Oh, arrête de t'inquiéter, Bagheera! Je veux juste faire un beau cadeau à Balou. C'est mon ami. Je ferai n'importe quoi pour lui faire plaisir. Mowgli! Bagheera! Et où êtes-vous? Et attention où tu mets les pattes, gros nounours maladroit. Oh, excuse-moi, Iki, je ne t'avais pas vu. Dis, tu n'aurais pas croisé Mowgli, Bagheera? Peut-être bien, Kouri. Très bien. Et tu sais où ils sont partis? Ça se pourrait bien, mais ça a un prix. Bon, d'accord. Une banane, ça te plairait? Suis-moi, Balou. À partir de maintenant, nous sommes sur le territoire de Shere Khan. Alors reste bien sur tes gardes, Mowgli. Ça n'est pas Shere Khan qui va m'empêcher d'offrir son cadeau d'anniversaire à Balou. Bon, à partir de là, je crois me souvenir qu'ils ont bifurqué en direction du territoire de Shere Khan. Mais je ne suis pas sûr du tout. Ah, le territoire de Shere Khan. Essaie de te souvenir, Iki. J'aimerais bien, mais il y a juste un petit problème. Je ne peux pas réfléchir quand j'ai faim. Tu as faim? Tu viens de manger une banane. Oh. Bon, tiens, tu as gagné, Iki. Oui, c'est vrai. Oh, ça y est, ça commence à me revenir. Par ici. Ce pont n'a pas l'air très solide. Il n'y a pas d'autre passage? En fait, si, mais on risquerait de tomber sur Shere Khan. On va traverser ce pont alors. Tu passes le premier? C'est bon, tu peux y aller, Mowgli. Ça ne craint rien. Ainsi que périssent tous ceux qui osent s'aventurer sans permission sur le territoire du terrible Shere Khan. Tout à fait, bien dit, Shere Khan. Je ne suis on ne peut plus d'accord, Shere Khan. Tire, Bagheera, tire. Allez, encore. Je n'en crois pas mes yeux. Le petit homme a survécu. Au revoir, Shere Khan. Merci, Bagheera. Tu m'as sauvé la vie.
Peu importe qu'il ait traversé, nous savons qu'il se dirige vers la rivière. Je n'aurai qu'à finir le travail là-bas. Bien sûr, cher Khan. Et souvenez-vous que c'est moi qui vous ai parlé du plan du petit homme. Mes efforts valent bien une petite récompense, vous trouvez pas? Ma patience a des limites, Tabaki. On est presque sur le territoire de Shere Khan. Alors c'est où? Je les ai entendus parler de l'endroit où ils allaient, mais... Mais quoi? J'ai tellement faim que j'ai des pertes de mémoire. Ah, ça ne me surprend pas vraiment. Alors, où sont-ils allés? Il y avait une histoire de rivière. Une rivière? Vraiment? Mais pourquoi le... Où est-ce que tu vas comme ça? Le plus loin possible du territoire de Shere Khan. Tu vas devoir te débrouiller tout seul. Nous y voilà. C'est bien ici. T'as vu la taille de ces poissons? Ils sont énormes. Maintenant, on n'a plus qu'à en attraper un. J'aime pas vraiment l'eau. Je m'occupe de le pêcher. Regarde ce que j'ai fabriqué. Ah, je connais. Une canne à pêche. Une invention des hommes. Tu te souviens quand j'avais fait ce concours de pêche avec Balou? J'avais une canne à pêche et j'avais pris beaucoup plus de poissons que lui. Et maintenant, je vais m'en servir pour pêcher son cadeau d'anniversaire. Un bon poisson. Ah, bien joué, Mowgli. Oh, Shere Khan! Mais comment t'as su que je me dirigeais vers la rivière? Je te rappelle que tu es sur mon territoire, petit homme. Et je sais toujours ce qui se trame sur mes terres. En vérité, c'est moi qui vous l'ai dit, Shere Khan. Quand je voudrais que tu parles, je te le ferai savoir, chacal de malheur. Quant à toi, petit homme, prépare-toi à mourir. Je viens t'aider, Mowgli! Oh, non, Bagheera! Le courant est beaucoup trop fort! Hé, Shere Khan! C'est quoi ça, là? Franchement, petit homme, tu n'imagines tout de même pas que je vais tomber dans le panneau, hein? Attends un peu, petit homme. Tu sais ce qui arrive à ceux qui viennent défier Shere Khan sur son territoire? Ils n'en sortent pas de... Merci, Balou. Oh, on a eu chaud. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi est-ce que tu as dit à Shere Khan que j'étais en haut? À quoi est-ce que tu pensais? J'avais besoin de gagner du temps pour sauter du tronc, sinon j'aurais fini dans la rivière, moi aussi. Oui, en effet, je n'avais pas pensé à ça. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici, tous les deux? J'ai pêché ça. C'est ton cadeau d'anniversaire. Oh, Mowgli! Mon poisson préféré. Et tu l'as pêché tout seul, en plus. Oh, mon petit homme, tu t'es souvenu des techniques de pêche que je t'avais apprises, pas vrai? C'était vraiment délicieux. C'est sans doute le meilleur anniversaire de toute ma vie. Et c'est grâce à toi, Mowgli, hein. Ah oui. C'est à ça que ça sert, les amis. Ma vraie Bagheera. Bien sûr que oui. Ah oui. Attendez, le festin n'est pas fini. J'ai réussi à garder quelques bananes pour vous. Oh, tu as retrouvé tes amis, je vois. Heureusement qu'il m'a croisé en chemin, je lui ai indiqué la bonne direction.
Hein, n'est-ce pas, Balou? Eh bien, oui, j'imagine qu'on peut voir les choses comme ça. Ça mérite une récompense, si vous voulez mon avis. Oui, voyons voir, peut-être un fruit, une banane, par exemple. Évidemment. Tiens, Iki, prends la dernière. T'en fais pas, Balou. On va partager la mienne avec toi. Encore joyeux anniversaire. Oh,